Venir en aide à plus d'un million de personnes en République de Centrafrique, c'est l'objectif ambitieux qu'affiche le Programme alimentaire mondial. Déjà au travail depuis début décembre dans ce pays en proie à des violences confessionnelles, l'agence onusienne veut passer à la vitesse supérieure. Pour l'instant, 237 000 personnes ont reçu une assistance humanitaire. Mais l'insécurité dans plusieurs zones empêche la progression des convois. Le PAM a tenu à rappeler sa neutralité dans le conflit entre chrétiens et musulmans. Un appel a aussi été lancé à la générosité de tous les pays partenaires afin d'assurer une continuité de l'approvisionnement alimentaire, au moins jusqu'en avril. La République de Centrafrique est en plein trouble depuis que la rébellion de la Séléka a fait tomber le président. Des centaines de milliers de personnes, à Bangui notamment, ont fui les combats.